from the Jeux Olympiques 2008. Les 12 mois qui précèdent les Jeux Olympiques de Pékin ont été très importants pour l'équipe de France. Entraînée par Claude Onesta, l'équipe tricolore est en pleine reconstruction. Durant ces mois, Onesta aura de nombreuses possibilités pour avancer le chantier grâce aux tournois internationaux à la Toussaint 2007 et PAC 2008. Mais surtout le championnat d'Europe en Norvège début d'année 2008. Les Bleus déjà qualifiés connaissent leur poule dans laquelle figurent la Suède, l'Islande et la Slovaquie. Ils termineront premiers de leur groupe en gagnant leurs 3 matchs. Arrive le tour principal. L'équipe d'Onesta figure dans le deuxième groupe. Groupe avec de très grosses écuries comme l'Espagne, l'Allemagne ou encore la Hongrie. Ils livreront de bonnes performances avec notamment une victoire 26-23 face à l'Allemagne. Ils réussiront à accéder à la phase finale en perdant qu'un seul match depuis le début. Maintenant, place à la demi-finale. Les hommes d'Onesta sont en perpétuel travail de reconstruction. En face, la Croatie menée par Balic ou encore Vori, un véritable rouleau compresseur. Dans un match extrêmement fermé, les Bleus s'inclinent 24-23 et filent en petite finale pour la 3ème place. Pas le temps pour cette équipe de se reposer, car pour la 3ème place, ils affrontent l'Allemagne. Avec des joueurs comme Nicolas Karabatic ou encore Olivier Giraud, les Bleus dominent du début à la fin. Score final 36-26, ce qui va récompenser leur travail. Début août 2008, arrivent les Jeux Olympiques de Pékin. L'équipe de France est dite favorite dans les médias, alors que le sélectionneur en a une toute autre vision. Parmi la liste des 14 sélectionnés par Onesta, pas de grands changements. Omeyer, Karabatic, Fernandez, Dinard, Abalo, Guigou, les frères Gilles ou encore Narcisse sont d'ores et déjà du voyage. Cependant, un joueur s'est glissé parmi les 14. Un joueur que peu de gens attendaient ici. Un joueur qui n'est pas une révélation spontanée comme peut l'être un jeune. Au contraire, il s'agit d'un joueur de 33 ans qui joue à Montpellier. Onesta le qualifie comme un mec de devoir régulier, cohérent, mais pas génial. Un joueur qui n'éclabousse pas les foules. Il s'agit de Cédric Burdet. Ce qui pose problème, c'est qu'il tient une réputation de chat noir auprès des autres joueurs. De plus, Onesta pouvait se passer de lui pour une autre raison. Lors des derniers championnats d'Europe en Norvège, Burdet passe les 2/3 de la compétition au lit cloué par un lumbago. Grâce au travail du staff médical, il réussit à se remettre sur pied au début des phases finales. Mais Onesta décide de ne pas le faire jouer une seule seconde dans l'optique que son équipe finisse les championnats d'Europe comme elle l'avait commencé. Le problème ? Cédric, après avoir fait un travail monstre pour revenir à temps, ne joue pas et cela ne passe pas pour le joueur. Il dira dans la presse qu'il a été pris pour un con. Évidemment, les joueurs et l'équipe technique des Bleus n'apprécient pas ses déclarations. Mais alors pourquoi Onesta le sélectionne pour les Jeux ? Tout simplement car il a la certitude que ce gaucher peut jouer un rôle majeur à un moment précis de la compétition. Les Bleus se réunissent pour les Jeux de Pékin. C'est l'heure pour Claude Onesta de finir l'incident avec Burdet et les autres. C'est alors que devant tout le monde, Onesta dit à Burdet « Ici, il n'y a pas de tricheur et personne ne prend l'autre pour un con. Si tu n'as pas joué en Norvège, c'est ma décision et celle du staff. Après, tu as choisi de parler à l'extérieur. Tu l'as fait une fois, tu ne le feras pas une deuxième fois. » Le 8 août 2008 à 8h08, heure locale à Pékin, est lancée la cérémonie d'ouverture des Jeux. Avec plus de 11 000 athlètes provenant de 204 pays différents, les Jeux de Pékin sont de loin l'événement sportif le plus suivi cette année-là. Mais pas le temps pour les Bleus de faire la fête. Leur but est clair, être champion. Onesta a même instauré dans la tête de ses joueurs une véritable intention de guerre, comme celle de 14-18. Une guerre de tranchées, où chaque équipe que les Bleus affronteront représente une tranchée à prendre. Au tour préliminaire, il y a deux groupes de 6 équipes. Le groupe 1, constitué de la France, l'Espagne, la Croatie, la Pologne, est considéré comme le groupe de la mort. Dès le tour préliminaire, les Bleus ne laissent aucun cadeau à leurs adversaires et broient littéralement tout ce qui se trouve sur leur passage. Arrive alors le second tour avec les quarts de finale. Les Bleus retrouvent ceux qui les avaient éliminés au dernier jeu, l'équipe russe. Mais il n'y a pas de place dans l'esprit des Bleus pour ça. Ils déroulent, filent en demi-finale et remportent le match 27-24. Les Bleus étaient tellement déterminés que les autres athlètes olympiques voyaient Karabatic, Dinard, Gilles soulever de la fonte comme des haltérophiles en furie. Certains athlètes qualifiaient l'équipe de France d'animaux et avaient la vraie sensation d'un truc indestructible. Mais pour Claude Onesta, l'invincibilité n'existe pas. C'est de la science-fiction. Il n'aime pas ce sentiment d'indestructible. Il sait que le moindre grain de sable peut tout gâcher. Alors il va réfléchir et chercher quelle est la chose qui peut tout foutre en l'air. Sur le terrain, l'équipe de France est intouchable. Mais alors c'est dans l'extra-sportif que le petit grain de sable peut se cacher. Onesta essaiera de protéger son groupe de la presse, mais les conférences de presse sont obligatoires. Alors il décide d'être agressif avec ceux qui veulent donner déjà la médaille d'or à son équipe. Il se méfiera même des commentateurs, des amis et de la famille des joueurs. Il fera tout pour que ses joueurs restent concentrés sur le prochain match. Il ne veut pas de l'histoire du type qui s'approche du Graal et qui dans l'euphorie tombe sur la dernière marche. Et arrive le 22 août, jour de demi-finale. France-Croatie, Karabatic-Balic. Mais ce n'est pas Karabatic ou Narcisse qui vont avoir leur heure de gloire, mais Cédric Burdet. Souvenez-vous, Onesta l'a sélectionné à des fins purement tactiques. Mais pourquoi lui et pas un autre ?
quand on est armé d'une telle équipe, pourquoi vouloir à tout prix jouer un coup tactique? À vrai dire, c'est plutôt simple. Les Croates ont un style de jeu très propre à eux. Le plus gros problème des Bleus, c'est la défense de zone des Croates. Je m'explique. La défense de zone est un type de défense, concentrée dans le secteur du ballon et se déplace collectivement par rapport aux passes de l'adversaire. Or, un bloc défensif ferme qui se déplace à la même vitesse que le ballon laisse peu de chances à l'attaque de passer. Pour avoir une chance de percer cette défense, il faut que le ballon se déplace plus vite que ce bloc. Et pour des raisons purement scientifiques, un gaucher a cette possibilité d'accélérer les passes de la droite vers la gauche, d'où le choix de Cédric Burdet. Onesta décide donc de suivre son intuition et de mettre en place cette tactique que les Croates n'avaient pas envisagée. Le match commence, les Croates, comme à leurs habitudes, dominent, mais les Français tiennent tête. C'est à la 15e minute que les Bleus commencent à augmenter leur jeu. Burdet commence à entrer dans la lumière de ces matchs, car grâce à lui, l'équipe de France mène à la pause 12-11. La deuxième mi-temps débute. Les Bleus continuent sur leur lancée et gardent cette petite longueur d'avance. La tactique secrète de Claude Onesta fonctionne. Cédric se libère et joue son jeu et déstabilise les Croates. À ses côtés, Omeyer réalise une prestation phénoménale, comme la défense d'Inar et les frères Gilles. En contre, Abalo et Guigou régalent par leur justesse, mais le match reste toujours tendu. 22e minute, 22 partout. Les Bleus tiennent bon et mettent deux buts de plus, 24-22. Puis un 25e à 28 minutes de jeu. Les Croates n'y arrivent plus et arrive le coup de sifflet final. Victoire des Bleus, 25-23, face à un adversaire que tous les spécialistes donnaient vainqueur. Mais ce n'est pas fini pour autant, car il reste la finale face à l'Islande. Ce 24 août 2008, jour de fermeture des JO, tous les athlètes français sont dans la salle pour cette finale, qui peut être historique pour le sport français. Le match commence, pas de tactique spéciale cette fois-ci. Les Bleus sont toujours dans le même état d'esprit et ça se voit. Car dès la 18e minute, ils creusent déjà un écart de 4 buts. Dans ce match, la star c'est Thierry Omeyer. Il arrête les offensives des Islandais et commence à dégoûter les attaquants. À 5 minutes du coup de sifflet final, la France mène de 6 buts et se rapproche du premier titre de l'histoire. Les Islandais décident donc de défendre haut pour essayer d'avoir une chance, mais en vain. Les Français clôturent ce match comme ils l'avaient commencé et s'imposent sur le score de 28-23. L'équipe de France de handball inscrit son nom dans le sport collectif français en étant sacrée pour la première fois de son histoire champion olympique. Et c'est ainsi que ces Jeux olympiques se terminent grâce à une équipe de guerriers et un tacticien en commande.